justement nous vendons des livres épuisés, des livres qu'on ne trouve plus et sur des thèmes ou des sujets particuliers, et les gens viennent jusqu'à nous pour justement trouver ces livres qu'on trouve nulle part. Nous avons une certaine expérience, donc nous n'avons que des livres choisis qui n'ont jamais été réédités, etc. Et donc ils viennent chercher en fait une connaissance du passé. Les gens s'intéressent de moins en moins aux livres, papier, et y avait avant une succession, les pères venaient avec leurs enfants, etc. Et on sentait de nouveaux collectionneurs de livres anciens. Aujourd'hui, ça a totalement disparu, les jeunes ne s'intéressent plus du tout au papier. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part le fait de les lire sur des sujets, là, quand vous regardez sur l'étal de monsieur, vous voyez par exemple un peu plus loin qu'un certain nombre des livres sont épuisés. Donc il y a aussi le fait d'avoir des livres qui sont un peu uniques et puis des livres anciens qui peuvent remonter jusqu'au 15e siècle. C'est intéressant de trouver ces ouvrages, on peut les trouver chez les bouquinistes. Internet, évidemment, mais chez le bouquiniste, on a aussi une approche humaine. Le bouquiniste, on peut lui dire, on cherche tel ouvrage, lui va le chercher aussi, donc c'est différent. Il y a un côté humain qu'on n'a pas sur Internet.